Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte aujourd'hui, toujours en vidéo, en attendant que nous puissions vivre à nouveau des temps de culte ensemble en présentiel. Comme vous le voyez autour de moi, nous sommes à la chapelle, un endroit que vous aimez. Et même si c'est en vidéo, il est important de retrouver ce lieu aujourd'hui, ce lieu auquel nous tenons tous. Je pense que cela vous fait plaisir et que vous êtes content de voir que nous sommes à la chapelle. Et peut-être que vous pouvez vous souvenir des moments vécus ici et ressentir l'atmosphère qu'il y a ici, maintenant, dans ce lieu, pour ce culte. Cette année, une nouvelle année commence et nous sommes en route vers l'essentiel. À la découverte des choses importantes qui composent notre vie, afin de voir, d'entendre, de toucher, ressentir comment les choses de nos vies font sens si nous les relions à Dieu. Et le thème de ce premier culte est le suivant : la Bible est utile pour notre vie. Nous verrons au travers d'une histoire que oui, en effet, la Bible peut nous aider. Elle peut nous aider à comprendre des choses qui sont importantes pour notre vie de tous les jours. Et il est vrai qu'en cette période qui n'est pas facile, nous devons porter ces masques. Nous ne pouvons pas nous mélanger les uns les autres entre les groupes de vie. Mais aujourd'hui, cela ne va pas nous empêcher de vivre ce culte, de pouvoir chanter et prier ensemble, là où vous êtes. Et dans un sens, nous serons tous ensemble, car tous les groupes pourront regarder cette vidéo. Et nous commençons tout de suite avec le premier chant de notre culte. C'est le chant de l'année, que nous verrons à chaque culte, et nous allons l'apprendre ensemble maintenant. Il dit ceci : tournez les yeux vers le Seigneur. Oui, nous avons vraiment besoin de tourner les yeux vers Dieu, d'autant plus en cette période particulière que nous vivons. Ce chant est beau, et il nous dit que Dieu nous écoute, il nous regarde, et que si nous le cherchons, alors il se laissera trouver. Chantons ensemble. Thank you.
si nous ouvrons notre cœur à Dieu, nous serons comblés de bien, comme nous venons de le chanter. Et Cathy va nous lire maintenant un extrait du psaume 119, un texte de la Bible. Je lui laisse la place. Ils sont heureux, ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Ils ne font aucun mal. Ils vivent comme le Seigneur le demande. Seigneur, tu fais connaître ta volonté pour qu'on la respecte avec soin. Je veux faire ce que tu veux. Ne m'abandonne jamais. Je garde tes enseignements dans mon cœur. Merci, Seigneur. Apprends-moi ce que tu veux. Je suis ton serviteur. Sois bon pour moi. Je vivrai selon ce que dit ta parole. Ouvre mes yeux. Je verrai mieux combien ce que tu dis dans la Bible est merveilleux. Seigneur, montre-moi le chemin que tu veux pour moi, et je le suivrai jusqu'au bout. Rends-moi intelligent pour entendre ta voix et te respecter de tout mon cœur. Je te le dis, Seigneur, la part qui me revient, c'est de garder tes paroles. De tout mon cœur, j'ai cherché à te plaire, et pitié de moi, comme tu l'as promis. J'ai réfléchi sur ma vie. Tu restes fidèle de génération en génération. Tu as fondé la terre, et elle est solide. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par la Bible, les gens simples deviennent capables de bien agir. Je garde volontiers tes paroles, tellement j'aime ce qu'elles m'apportent. Que mes lèvres fassent jaillir la louange, car tu m'apprends ce que tu veux. Que je vive pour chanter ta louange, que tes décisions me soient une aide. Merci Cathy. Nous prions ensemble. Seigneur, merci. Oui, merci parce que tu nous as donné la Bible. La Bible pour nous aider à vivre. Oui, ce que nous pouvons y trouver est une aide pour traverser les moments difficiles. Nous pouvons apprendre tellement de choses sur toi dans ce livre. Tellement de choses que cela nous met dans la joie. Merci parce que nous comprenons et pouvons entendre que tu es un Dieu qui nous aime. Et qu'au travers de cette Bible, tu veux nous montrer quel est le bon chemin pour nos vies. Seigneur, nous savons que tu restes fidèle, que tu es présent avec nous. Donne-nous de la joie à découvrir la Bible, ta parole. Nous voulons te dire merci. Oui, merci pour ce cadeau précieux qui nous réconforte à bien des moments. Amen. Et en répondant à ce psaume qui nous encourage justement à être attentifs à ce que Dieu veut nous dire au travers de la Bible, nous voulons alors chanter le prochain chant qui dit « Ta parole est une lampe devant mes pas ». La parole, c'est un autre mot pour dire la Bible. Et ce que nous pouvons apprendre dans la Bible au sujet de Dieu nous encourage et nous permet d'avancer, même lorsque nous traversons des tempêtes. Nous n'avons rien à craindre, car il nous tient par la main. Chantons ensemble. Thank you.
nous. Et nous ne voulons pas oublier le grand amour qu'il a pour nous. C'est ce que nous venons de chanter. Nous arrivons maintenant au moment où nous allons raconter notre histoire du jour. Alors soyez bien installés, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on raconte l'histoire d'un garçon nommé Josias, qui est devenu roi du peuple à seulement 8 ans. Il aimait beaucoup Dieu et voulait lui plaire. Cependant, la plupart du peuple n'aimait pas Dieu et l'avait même complètement oublié. Les personnes vivaient sans Dieu, sans se soucier de son existence. Le roi Josias se rendit compte que le temple, l'endroit où le peuple de Dieu devait l'adorer et chanter des chants pour Dieu, était en train de tomber en ruine. Il était même utilisé pour adorer de mauvaises choses. Un jour, quand Josias avait 26 ans, il envoya le secrétaire royal au temple pour discuter de sa reconstruction avec le prêtre. Et quand ils démarrèrent la reconstruction, le prêtre trouva une copie des Écritures bibliques qui avait été mise de côté bien des années auparavant. Ces écritures contenaient la loi, les 10 commandements et d'autres recommandations de Dieu qui indiquaient comment avoir une vie qui fasse plaisir à Dieu. Personne n'avait lu ces écritures depuis très très longtemps. Le prêtre proclama alors « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Oui, il venait en fait de trouver une partie de la Bible qui était perdue là dans le temple depuis de nombreuses années. Le secrétaire royal présenta alors les Écritures au roi Josias en disant « Le prêtre m'a donné un livre. » Quand le secrétaire lut les Écritures au roi et que le roi entendit les paroles de Dieu, il devint très triste. Il devient triste car il s'est rendu compte que le peuple ne vivait pas comme Dieu désirait. Il cria et déchira ses vêtements, ce qui au temps biblique voulait dire qu'il était vraiment désolé et triste de cette situation. Le roi donna des ordres aux prêtres et à d'autres. Et pour la première fois depuis longtemps, ils prièrent pour demander à Dieu ce qu'ils devaient faire. Dieu leur dit qu'il était très important que toutes les personnes viennent à lui avec un cœur sincère et que chacun puisse tenir compte de ce qu'il pourrait apprendre dans ce livre. C'est donc pourquoi le roi Josias a mis en place un projet pour aider chacun à entendre les écrits bibliques. Leur vie a alors changé parce qu'ils ont prêté attention à ce que Dieu souhaite. Il souhaite changer les vies, transformer les cœurs au travers de ce qu'il a transmis dans les écrits bibliques. Oui, dans notre histoire d'aujourd'hui, la découverte de la Bible a changé le cœur de ceux qui l'ont lu, de ceux qui s'y sont intéressés, et plus précisément du roi Josias. Alors nous aussi, nous voulons être ouverts pour laisser une place à Dieu, afin qu'un changement puisse avoir lieu dans notre vie. Nous chantons le prochain chant qui dit « Change quelque chose dans ta vie ». Tu es dans ta famille ou ton quartier. Dieu
sera plus proche, il sera chez lui, et des choses vont bouger. Notre histoire du jour est incroyable. Josias, un jeune roi, fait des travaux au temple, l'endroit où les personnes viennent pour rendre un culte à Dieu. C'est un peu comme si nous faisions des travaux dans cette chapelle. Et alors que les travailleurs font les travaux, tout d'un coup, ils voient des rouleaux avec des écritures qui étaient cachées derrière un mur. Ils viennent en fait de retrouver un morceau de la Bible. Le roi est alors touché, ému par cette découverte. Il est même triste, parce qu'il comprend en lisant le texte que les personnes du peuple ne vivent pas de la bonne façon. Ils ne sont pas sincères envers Dieu. Ils n'ont pas une proximité de cœur avec lui. À ce moment-là, le roi Josias, lui, est bien attentif à ce qu'il se passe dans son cœur. Il comprend qu'il a besoin d'être relié à Dieu, à ce Dieu qu'il aime. Et peut-être nous pouvons nous poser la question, aujourd'hui, de ce que souhaite réellement notre cœur. Est-ce que notre cœur est en recherche de ce Dieu fidèle, de ce Dieu qui nous aime? La Bible est utile pour notre vie, oui, parce que justement quand nous l'ouvrons, quand nous nous intéressons à ce qu'elle contient, alors nous pouvons apprendre, comprendre et ressentir des choses par rapport à qui est Dieu pour nous. C'est d'ailleurs ce que nous faisons à chaque culte lorsque nous parlons d'une histoire biblique en particulier. Cette histoire de Josias que nous avons entendue est en fait une invitation pour nous tous. Une invitation à revenir au divin, à choisir une relation avec Dieu. Une relation dans la sincérité. D'autant plus dans cette période que nous vivons, où la peur est encore bien présente et où il n'est pas simple de s'adapter à tous les changements que provoque le virus. La Bible nous aide justement dans cette relation à Dieu, car nous pouvons y trouver, y entendre des textes, des prières, des choses qui nous parlent et qui nous rejoignent, des choses qui nous font du bien dans ce que nous vivons. C'est un encouragement à nous éveiller, à nous réveiller et à chercher la présence de Dieu dans nos vies. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que pendant toute cette année, nous allons faire cela ensemble. Nous allons découvrir des choses sur Dieu et aussi découvrir des choses sur les relations que nous avons les uns avec les autres. En fait, nous voulons aller vers l'essentiel pour redécouvrir ensemble ce qui fait sens à notre vie. Et nous chantons maintenant ensemble le prochain chant pour reconnaître que Dieu nous aime et qu'il nous donne tant de choses. Nous chantons ce chant. Il m'aime. Thank you.
allons prier Dieu ensemble maintenant. Seigneur, nous venons vers toi. Nous te prions. Car l'histoire de Josias que nous avons entendue nous fait prendre conscience que nous pouvons avoir une relation sincère avec toi, un cœur à cœur. Cela veut dire que nous pouvons tout te dire et tout apporter. Seigneur, nous te prions. Ce que nous vivons en ce moment est difficile. Nous ne pouvons plus nous mélanger. Nous sommes parfois coupés de nos amis, de notre famille, de tous ceux que nous aimons. Oui, Seigneur, nous sommes tristes et parfois même en colère de devoir vivre tout cela à cause du virus. Mais nous savons aussi que toi, tu es présent avec nous, que tu es présent en toutes choses, que tu entends nos difficultés et que tu comprends ce que nous vivons. Seigneur, nous te demandons de nous rendre attentifs à ta voix. Nous voulons faire du bien à ceux qui nous entourent. Oui, nous voulons nous soutenir, nous aimer les uns les autres, comme toi tu nous as aussi aimés. Seigneur, aide-nous à te laisser une place dans nos vies, à ne pas t'oublier. Nous voulons trouver nos ressources en toi et dans ce que nous dit ta parole. Seigneur, nous te prions. Oui, nous te prions pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ont peur, ceux qui sont en colère. Merci parce que tu prends soin de chacun. Et nous voulons continuer à te faire confiance. Car tu es le Dieu qui a tout créé et qui tient tout dans ses mains. Amen. Et nous voulons maintenant chanter ensemble le Notre Père, cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons maintenant, tout doucement, à la fin de notre culte. Et comme parole d'envoi et de bénédiction, j'aimerais vous laisser cette promesse que Jésus a faite à ses disciples. Et cette promesse est également une vérité pour nous aujourd'hui. Jésus leur dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Notre Dieu vous accompagne dans votre réalité, dans tout ce que vous faites, à chaque moment de la journée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Et nous terminons ce temps de culte avec un dernier chant. Un chant qui nous invite à ne pas rentrer chez nous comme avant.
Alors restons dans la confiance en Dieu, en toutes choses et en toutes circonstances. Amen. Et voilà, chers tous, notre temps de culte est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu de vivre ça tous ensemble. Et nous nous retrouverons pour le prochain culte en vidéo le 30 octobre. Au nom de toute l'équipe de l'EPO, je vous dis au revoir et à bientôt.